Alors, sismicien, sismicienne, David Funkinos qui découvre Sismic et qui deviendra peut-être un jour un sismique, t'as dit ? Un sismicologue convaincu. Ça marche ? C'est bon, ça enregistre. Je découvre les secrets de la modernité. Bonjour, chers amis sismiques, c'est ça ? Ouais, sismique, ça veut dire quoi ? Ouais. Donc là, je suis en direct de la foire du livre de Bruxelles avec mes amis de Radio Nostalgie. Non, rien à voir ? Alors, si vous voyez cette vidéo, vous pouvez venir me voir ici. Sinon, vous pouvez aller sur mon MySpace. Parce que s'il me parle, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, la vraie question, c'est qui se souvient de David Funkinos ? C'est ça la vraie question. Ça a même donné lieu à... Ça marche en Suisse, ça, parce que... Ah, mais ça arrive plus J'aimerais tard. Bien. Ah, en Suisse, ça arrive plus tard. Non, parce que je mise beaucoup sur la Suisse. Hein. C'est un écrivain très, très suisse. Hein. Ouais. C'est un pays qui a toujours été... on voit la femme de Brice derrière. Ah oui. On te voit dans mon truc, le sismique, tu seras international. Hein. Donc c'est de savoir. Le photographe, salut. Mais j'ai quand même entendu dire que vous penchiez pour la Belgique en ce moment, peut-être. Si vous je me suis rendu compte, c'est ça, que finalement, mon créneau suisse, ça prenait pas. Bah, je suis en train de faire une sorte de médiation internationale entre... Ah Brice, tu veux venir sur ma vidéo là ? Non, quoi ? Ah Brice, grand journaliste, grand journaliste. Oui. J'ai été en train d'expliquer la mutation intérieure qui est en train de sévir en moi, c'est-à-dire passer de la Belgique à la... Non, de la Suisse à la Belgique. Oui. Alors, vraie question. Ah, vraie question alors. Quoi choisir si vous devez choisir ? Je vais regarder ça. Les Américains, les Japonais, les Français. Les Français. Alors, la vraie question, si demain vous deviez choisir entre la Belgique et la Suisse, vous qui regardez la vidéo, vous choisiriez... Comme inspiration littéraire. Oui. Non, je peux pas dire. Non, parce que Genève, ça reste quand même un mythe. Mais oui. Ah oui, alors vous préférez la Belgique ou la Suisse ? Si vous en fait, c'est un peu interactif et tout. Ouais, c'est ça. Si vous demandez l'asile politique, on dit tiens, vous demanderiez l'asile politique en Suisse ou en Belgique ? S'ils viennent à Paris, je peux me faire peut-être de la pub, tiens, c'est pas mal. Oui. J'ai ma pièce de théâtre en septembre. Ah, c'est vrai ? Célibataire, au studio des Champs-Élysées. Studio des Champs-Élysées en septembre. C'est pas mal, ça. Voilà. Un nouveau roman. C'est bien la Belgique. Hein. Mais. Il y a 10 ans, j'avais... Enfin bon, c'est une autre histoire. Oui, non. Sismique. Alors, ça marche ou pas, Mick ? On va enregistrer, on va sauver. Ah, Brice, c'est vrai.